est parti pour ce troisième match de la catégorie Benjamin 4 opposant le Vallon c'est l'équipe du Sud. On va nous donner opposé à une équipe mixte de l'Ouest, l'équipe Seoul Angers. Match international, Fabien Garnier à la chaise par Michael Mello. Allez mon Sofiane! Allez Chloé! Pénalité! Voilà, pénalité 3, on va se replacer aux ordres de monsieur les arbitres. Je demanderai à la coach du Vallon. Allez, hop. Il y a un soigneur qui est venu la voir, il dit « Prends ton camp, prends ton camp !» Ben oui. Alors c'est vrai que c'est tentant d'aller de l'autre côté, mais non. On va arrêter sur une pénalité 2 à la faveur du Vallon. Toujours 0-0. Allez, le Vallon! Allez, voilà la pénalité 2 maintenant traditionnelle. On revient un petit peu dans son camp. On essaie de prendre un peu de la vitesse. Allez! Pénalité 2 à la faveur de l'équipe d'Angers-Saumur. Laissez-moi vous expliquer pour ceux qui ne se connaissent pas. Le cavalier du Vallon a changé sa trajectoire. Cavalier ou cavalière, je ne sais pas. A changé sa trajectoire et est venu en percussion. Alors volontaire ou involontaire, ça on ne peut pas définir. Il est venu en percussion sur la groupe de cheval d'Angers. Donc c'est une pénalité 2 à la faveur de Saumur. C'est la faute offensive. Alors c'est bien volontaire ou involontaire parce que souvent on les prenait, font mieux ce qu'ils veulent. Donc nos enfants pâtissent ce genre de choses, mais c'est le règlement. Voilà, la balle est du côté de l'équipe d'Angers-Saumur. Ah oui, cette fois-ci, il n'y a pas eu faute, la trajectoire a changé. Allez, le ballon, au but. Voilà, par contre, là, on recommence. Voilà, pénalité 2. Pourquoi P2?